tous. Merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et maintenant, l'hymne national de l'Angleterre. De la France. Deux équipes de très gros calibre. Mais vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables. Ou les managers essayer de nouvelles choses, probablement. Ça devrait être un match ouvert et agréable. De ce match. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Certainement Sterling. Il est super polyvalent, un vrai électron. Et plus il est libre, plus il est dangereux. Oui, il peut frapper là! Un peu d'oxygène pour sa défense. Et ils obtiennent la touche. Danny Rose. Maguire. Il est passé. Il a pris tout le monde de vitesse. C'est dégagé loin. Danny Rose. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ça joue à gauche. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il tire. Et la balle qui tremble, ça sent bien. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Oh, voici Kane. Ça peut partir en contre. C'est joué long. Au tour du gardien de jouer. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Trippier. Oh, Griezmann. Giroud. La France qui cherche l'étincelle. Zéro-zéro, les deux équipes se neutralisent. On
Umtiti. Hernandez. C'est bien donné. Il est bien placé. L'assistant lève son drapeau. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. Le gardien droit devant. Kanté qui est récompensé de son pressing. C'est osé. Phil Jones. Maintenant, ça serait pas mal. Il joue en profondeur. Matuidi. Mbappé. Il va au duel. Matuidi. Griezmann à droite. La passe dans la profondeur. Dans la surface, il peut frapper. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Et on est déjà reparti. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Sans se livrer, c'est bien joué. Voilà une belle occasion de contre. Mbappé. Vraiment magnifique ce 1-2. Ils se comprennent parfaitement. C'est fabuleux. On est reparti. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. Danny Rose. Encore une belle intervention. Bon ballon dans le sens du jeu. Il relance côté droit. Que ça va partir vite. C'est bien fait ça. Il joue dans l'espace. Il est servi. Il prend sa chance. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. La faute. Il s'en sort bien, l'arbitre. Il ne sortira pas de carton ce coup-là. Cherche à construire.
Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Sterling, bien joué ça. Kane. Oh, Sterling, dans la profondeur, donné à la perfection. Oh, voici Kane, il tente de la jouer dans l'espace. L'arrivée ne pourra rien en faire de ce ballon. Ce contre peut très bien aller au bout. Ils étaient en infériorité numérique, ils s'en sortent bien. Ils glissent le ballon en profondeur. Kanté. Oh, Griezmann. Voici Giroud pour trouver la faille dans la défense. Il tente sa chance. J'indique désormais 2-0. Jordan Anderson qui cherche la profondeur. Il décide d'allonger le jeu. Oh, le bon ballon! La passe est précise. Bien tenté. Le dégagement. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. C'est joué long, attention. Il est bien le jeu. D'assister à telle rencontre. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. Grégoire, c'est moi qui vous remercie.